Mon contrat avec M. David Monceau m'empêche d'avoir un groupe, un orchestre. David Monceau, c'était un groupe. Lui, il voulait un groupe d'accompagnement où c'est héritier, héritier et héritier. Les autres là, ils ne veulent pas savoir, tu chantes avec qui, tu es avec qui. Ils viennent, tu chantes avec qui, tu payes, ils partent. Ce concert. Donc, je vais d'abord donner la parole à monsieur Armel Kaloumé qui va lui nous dire. Ah non, c'est monsieur Papi Bouman qui va justement distribuer les paroles aux personnes sur cet avenir. Un micro devant vous. Merci Fanfan, bonjour. Voilà, c'est comme Fanfan l'a dit, hein, tout est dit et je me répète, de ne pas reprendre tout ce qu'il a dit, mais nous tenons à vous dire un grand merci. Et comme vous le savez, nous allons pas tarder. Je mérite quand même, avant de donner la parole aux représentants du sponsor, peut-être que l'artiste va conclure après, mais on va commencer avec le sponsor. Un mot, un message à la presse. Merci beaucoup, Bobby. Bonjour à tous. C'était un réel plaisir pour nous, pour la Bradima, d'accompagner un artiste aussi grand comme Héritier Watanabe, qui est un artiste de la 5e génération. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Primus est une marque phare de la Bradima et que la Bradima travaille dans la promotion des artistes. Lorsque nous avons reçu la demande provenant de l'artiste, c'était pas une surprise pour nous. Nous l'avons fait avec des grands artistes de la République autrefois. Et aujourd'hui, c'est un très grand plaisir pour nous de faire avec l'artiste Héritier Watanabe. Je vais peut-être dévancer quelques questions que vous aurez peut-être à poser. Aujourd'hui, c'est juste la présentation de l'album Chemin de la gloire. Mais demain, ça sera d'autres projets un peu plus grandioses qui sont sur la table, que nous sommes en train de travailler ensemble avec l'artiste et également avec son équipe. Ce n'est pas que nous faisons quelque chose à la va-vite. Je pense que l'artiste le sait, également tout son bureau. C'est quelque chose que nous sommes en train de préparer de manière très minutieuse. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Héritier Watanabe, avant de commencer. Oui, avant de donner la parole à l'artiste, je voudrais ici dire merci au Pullman Hotel, qui est le sponsor premium à part la Bradima. Ils ont accepté d'accompagner cet événement à 100%. Je vous remercie. On va commencer. Déjà, je pense que je vais commencer par vous saluer. Je suis arrivé comme convenu, mais j'attendais les signaux de Charlie et de Fonfon pour me dire que c'est bon, tu peux venir, tu peux rentrer. Parce que nombreux étaient à temps, à l'heure, mais les autres n'étaient pas encore là. Donc je que vous soyez un grand nombre qu'on puisse commencer. Je vous remercie pour ça, pour vos déplacements. Et je parlais plus album, je parlais plus musique, plus le chemin de la gloire et plus présentation de l'album. La présentation de l'album pour moi c'est pas un concert spectacle, c'est un concert de chant. C'est un concert où l'artiste va se dévoiler, l'artiste va s'exprimer. Chanter les chansons que j'ai eu à chanter dans l'album. Parce que nous, on est habitués à le live. On a cet esprit dans le live. Souvent, c'est difficile à reproduire ce que nous avons produit au studio. Et c'est ce qu'on verra. Et vous reproduire ce qu'on a fait.
ce que vous avez écouté sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, donc Apple Music, sur les autres plateformes de téléchargement, des streaming. Donc voilà, je suis plus venu pour ça. Et je suis désolé pour ceux-là qui n'ont pas eu des invitations. Parce que on t'a donné sur le jour où on allait faire la conférence de presse. D'autres voulaient que ça soit aujourd'hui. Nous, avec le Braliment, on voulait que ça soit vendredi. Mais le Pullman aussi a ses engagements. On avait concordé avec eux. Ça a tombé qu'on fasse ça aujourd'hui. Je remercie Papi qui nous accompagne. Je remercie avec les directeurs. Je remercie le Pullman. L'artiste prêt à répondre à toutes les questions. Effectivement. Alors, dames et messieurs, vous savez comment ça se passe. Moi, le format que j'ai appris, la musique, ça, le format maison mère reggae, ça m'empêchait vraiment de procéder de cette manière-là. Donc voilà pourquoi, en tâtonnant, je suis arrivé jusqu'à 22 titres. Méange et Midémon, c'était deux albums. Méange et Midémon. 14-14, on est arrivé à 28 parce que c'était pas sorti au même moment aussi. Mais Chemin de la Gloire, c'était 14 titres. On s'est convenu avec Louis Bidens, qui est le réalisateur de l'album, et ingénieur, arrangeur. On s'est convenu à 14 titres. Pourquoi? Parce que pour moi, je me disais, en sortant 28 titres comme ça, peut-être il n'y a que 12 ou 14 chansons, ou 10 chansons peut-être, qui accrochent. Les autres chansons, sont comme des bonus qui n'accrochent pas, que le public ne les porte pas. Donc on voulait qu'on se limite à 12 titres et des génériques. Mais en arrivant au studio, il y a eu des complications. Il y a des chansons où les autres musiciens du groupe n'ont pas chanté. Donc il faut maintenant faire genre, trouver des moyens pour que tout le monde s'y retrouve. Avant on avait une chanteuse, Jack Love, on s'est retrouvé avec une danseuse qui chante et qui veut aussi chanter, qui veut s'imposer aussi. Il faut trouver des moyens pour qu'elle s'y retrouve aussi. J'ai plus de 8 chanteurs, si je ne me trompe pas. Je ne pouvais pas le mettre tous ensemble, chanter. Ça n'allait pas trop bien faire. Donc pour moi, j'avais pensé que Nakabula, bon, moi, j'en ai pour que ça la cœur. Nous, tout à juger, moi, pareil. Dans l'idée ou dans l'esprit que moi, j'ai eu aussi cette chance-là. Oui, Rassol m'a donné le temps de me vendre, de participer dans ces albums. Donc je devais quand même aussi donner aux amis. Donc on s'est retrouvé à 18 titres pour ça. Nous prenons Jonathan Bilari, juste après ça sera Isaac Maï, et puis notre ami de Nyota Télévision qui vient de Lubumbashi, ainsi que Laurent Fabrice. Merci. Bonsoir Héritier. Bonsoir. De la gloire, où on peut sentir de la maturité sur la composition et les textes. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreille en me disant Héritier est très suivi par le jeune. On le sait, fervent défenseur de la rumba. Est-ce que pense-t-il aux ados? Je me dis, si, ça me tape à l'oreille. Je me dis, effectivement, on a été servi à volonté avec de la rumba, qui est le moins jeune de ceux qui ont moins de 25 ans, se diront peut-être qu'ils ne se sont pas retrouvés. Vous auriez dû faire un travail à fond pour pouvoir servir tout le monde. La deuxième question, je sais que vous travaillez, vous aimez bien accompagner ceux qui sont avec vous et qui évoluent avec vous. Mais là, c'est signé Héritier Wata. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas un album du groupe, de la team Wata. À quand cet album? On doit attendre encore une décennie où ça va arriver, juste après Chemin de la Gloire. En dernier, vous êtes l'un des rares artistes. On sait, on n'a pas autant de sponsors et partenaires. Là, j'en vois peut-être 4. Nous avons la Bralima. La Bralima, qui est une grosse boîte, ce n'est pas moindre. À combien vous avez mis la table pour accompagner cet événement? Ce serait 100 000, 200 000, 400 000, on aimerait le savoir. Merci. Merci, Jonathan. Avant que je fasse Chemin de la Gloire, j'avais demandé aux musiciens d'envoyer les titres à l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui reçoit les titres et envoie au beatmaker, à celui qui fait le son, il fait le choix. Parce qu'il sait canaliser, il sait comprendre, il sait orienter. Mais jusque-là, il n'y avait que deux ou trois chanteurs qui avaient envoyé leur chanson. Il y a eu Mishka, si je ne me trompe pas, il y a eu Champion Voile. Peut-être que lui,
Donc voilà. Donc, pour moi, je m'étais dit qu'ils n'étaient pas prêts. Donc quand ils ne sont pas prêts, moi je n'ai pas croisé les bras. Moi je travaille, moi je cherche à avancer. Aujourd'hui la concurrence est très rude. Plus tu baisses les bras, plus les autres courent à une vitesse que tu peux peut-être plus les rattraper. Pour le chant, pour les chansons formales, ados, plus jeunes, j'y pense. Déjà, j'avais même annoncé ça sur les autres chaînes en France. J'avais dit, ça c'est mon dernier album 100% roumain. Je continuerai à faire de la roumain parce que c'est la musique que je maîtrise le mieux. Mais je veux m'ouvrir à d'autres musiques aussi. Parce que je ne connais pas que la roumain, je connais aussi d'autres musiques que je vais expérimenter. Aujourd'hui, on sera sur le terrain des featuring aussi, parce qu'on prépare déjà les featuring. On est sur ça déjà. On travaille avec des Sud-Africains, on travaille avec des artistes francophones aussi, et anglophones même. Donc pour le prochain album, peut-être qu'il viendra tôt. Donc, voilà. Et je pense que ces jeunes-là se retrouveront. Mais pour gagner du terrain, pour m'affirmer, pour m'imposer, j'avais d'abord besoin de confirmer sur la rumba. Parce que la rumba, c'est la base. La rumba, c'est la musique qui est... Après, je ne sais pas, peut-être je me trompe. C'est la musique qui a imposé tous les chanteurs qui se sont imposés aujourd'hui au Congo. Ils se sont imposés par rapport à la rumba. Donc je l'avais confirmé avant de m'envoler sous le dessus. Donc dans ce sens-là. La pranima, je ne sais pas vraiment le moyen que la pranima a mis. Je ne sais pas dire que le montant exact, mais je vous dirai sur le 100% la pranima. Oui, oui, il va répondre. Il va répondre. Mais je vous dirai. C'est pour une première fois que je sois sponsorisé par une maison. J'ai plusieurs fois été sponsorisé, mais c'était à hauteur de 20%, 30%, tout ça. Mais pour une fois, j'ai été sponsorisé à hauteur de 80%, c'est sur ces concerts. Peut-être à plus de 80%. La Bradima a presque tout fait, donc j'ai dit presque tout fait. Je n'ai pas dépensé, moi. Si je vais dépenser, ça sera peut-être aujourd'hui par rapport à... Tu verras peut-être Laurent Fabrice Ayaki, la Rotika qui est pointée. Donc, ouais. Ça sera la première fois que je dépense depuis qu'on a commencé ces concerts. Donc, sur les affiches, sur la publicité, sur le podium, la lumière, les ingénieurs, tout ça, j'ai rien fait. La Panima a tout fait. Et il y a aussi le Panima, quand on est. Merci beaucoup pour la question, Jonathan. Très bonne question, d'ailleurs. S'il faudrait répondre en termes d'argent, c'est comme l'artiste vient de le dire, nous avons participé en tout, même dans les discussions concernant le concept du concert, la prédéménité. C'est comme il est en train de le dire, ça n'a jamais été ainsi avant. Ce n'est pas qu'un sponsoring, mais c'est un accompagnement, si je peux le dire. Et je vous convierai justement à la soirée, ça sera plus simple pour vous de voir et de constater. Vous donnerez un montant à ce que vous allez voir. Merci. Voilà, Isaac Maï, j'allais vraiment demander à nous, si possible. Nous, les athées, nous avons parlé, ça sera un grand problème parce que, apparemment, les athées sont plus nombreux que le croyant. Et moi, je ne suis pas dans la religion sur le chemin de la gloire. Mais je peux aussi penser comme les religieux peuvent penser, croyant en Jésus. Eux, ils croient que le chemin. Leur chemin de la gloire, c'est pour arriver aussi chez Dieu. Donc, une récompense par rapport à comment ils ont servi Dieu. Et moi, mon chemin de la gloire, c'est aussi une récompense par rapport à toutes les difficultés que j'ai pu trouver sur mon chemin musical. Donc, tous les péripéties, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'est arrivé dans cette musique, n'a pas pensé, n'a pas côté mon goût. Les avoirs bon, la bunda qui n'a connu pas résulté à l'anglais, meilleur, il n'a anglais. Donc pour moi, c'est ça mon chemin de gloire. Il est Marie Moussa Mandoba, Valé Abaka. Donc Valé Abaka, nous dirons que ma boule, ma bakou, ma nénéné, rempli d'embûches. Mais pour que la souk à l'anglais, on soit effectivement. Donc voilà. Et moi, maintenant, le résultat, c'est ça. Quand les gens m'appellent pour me dire, par exemple, hier, j'étais avec un grand. Un confrère que le Viking Kester avait chanté. Gana yo, ange, comment c'est le bébé? Je te demande.
il m'a dit, héritier, n'a pas un petit calor de communauté, n'a pas un calor avec qui il a pacifié, n'a pas un calor à chanter un peu chanteur. Mais le jour où j'ai écouté la chanson de la République, ma péché au moment placement de choix dans mon tout malin. Donc voilà pour moi, je lui ai dit que n'a pas un calor, n'a pas ici mon tout n'a pas tout malin. Donc c'est pour moi, c'est la gloire dans ce sens-là. Après, je ne sais pas, pour la date à Paris. Là, je ne sais pas ce que va nous. On n'a pas les droits encore. Je pense que lundi ou mardi, on va publier. Hein. Mardi, on va publier l'affiche et les teasers du concert. On a déjà un concert fin septembre. On a déjà signé avant même qu'il y ait la sortie de l'album. On a signé avant le 15 mars. On s'était assis. On a parlé. On s'est dit pourquoi suivre deux lières à la fois. Pourquoi mettre la charrue devant le bœuf. On va vendre d'abord l'album, on va vendre les chansons, on va promouvoir les chansons pour qu'enfin, après deux mois ou trois mois, on sorte une date. On n'a pas qu'une seule date, on a une date pour le concert. De septembre, on a une date pour un concert fin mai ou juin, début juin, pour Paris encore et les autres dates. Déjà la semaine prochaine, on est à Lubumbashi pour le compte de DRC Mining. C'est les miniers, les chinois et les autres, les juifs, tout comme ça. On va faire un concert là-bas. Et il y aura un concert barbecue. Donc moi, j'irai en France pour maintenant présenter la salle avec les chroniqueurs, les journalistes. Présenter la salle. Mais déjà, à partir de mardi, on va sortir la fiche pour les teasers, pour le concert. Et vous verrez la salle, vous verrez la date, vous aurez tout ça. Merci. Prenons notre ami de Nyota. Alors, sortie de l'album Chemin de la gloire. Nous qui suivons aussi de près nos amis youtubeurs, il y avait autant des problèmes qui se sont suscités. Monsieur Armel, au début, il avait déjà dit qu'avec la Bradima, c'est pas seulement le concert de la présentation d'album. Le concert de présentation d'album. Il y aura plusieurs concerts. On pense faire des concerts à Lukunga, à Chang, à Mohamba et à Funa. Donc déjà il y a des concerts prévus et la Bradima va voir par rapport aux dates parce que je pensais faire des concerts populaires et faire aussi des provinces. La Bradima va voir, mais c'est pas je pense que ça sera avant la fin du mois de juin ou début juillet. Donc on a déjà des concerts prévus. Donc la Bradima va nous accompagner, on a déjà des accompagnements pour la promotion. La promotion, les youtubeurs, etc. Après, il faut comprendre. Nous, les youtubeurs, habités. YouTube, ça, la télé. Nous, les youtubeurs, nous avons parmi bateau et les bosseaux, Bandimara, Kozala, Kovan dans la plateau à YouTube. Ça veut dire que Naïbara déjà puissance à YouTube, bon, puissance future à YouTube. Tant que moi, je vais à la plateau, la Bino, il y a YouTube, l'archevêque Baza, tous mes amis, mes frères Baza, il y a un musicien, tout, au lieu de comment va, Kolo YouTube, le patron YouTube, il y a un musicien qui est pour Bandimara, Kovan dans la plateau, la Bino. Mais après, Nassanta récompense la beauté, Nassanta retourne la beauté. C'est comme si moi j'avais trahi d'autres gens pour faire plaisir à d'autres gens. Et après ceux-là que moi j'avais embrassés, alors tout le monde trahi. Donc on arrive au monde à sourire. Fallait la tigre à la main, la télé, le plateau. Tant qu'on va boycotter, on va appeler la boy à Bango. Là, il ne peut faire Bango, la tigre à la main, la télé. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. La coquille pour ça, l'album, des mêmes sur la porte à Stigo, tout ça, dit, on a beau avoir battu. Il n'y a pas de battre, on se passe à l'année. Pour preuve, beaucoup d'entre vous, j'ai invité à chanter.
pendant que tout le monde était sur la liste, tout le monde devait avoir nomination. Mais mon tour a dit Narcourou, ça n'est pas utile. Pensant qu'à Tilé, déjà, Stéma est déjà à Tilé d'Aké. Nous avons qu'à Stéma, il a été. Ça arrive souvent. Et vraiment, Olimisa. On appelle la salle en mode de l'Oran, c'est inspirant. Moi, je m'en fous. Il y a un YouTube qui est ça, il va vous arrêter, tout ça, puis vous êtes. Je ne peux pas me comporter comme ça. Et nous sommes tout à l'heure même là, il y a eu un changement. Donc voilà, c'est arrivé, vraiment, je m'en excuse sur la plateforme en appel. Plus le plus déçu, vous êtes allé. Le plus déçu, vous êtes allé. Vous êtes allé. Vous êtes allé. Avant que vous êtes allé dans mon amour, vous êtes allé. Vous êtes allé. Des gens comme ça, ils ont un clair même là. Il y a du tout ça, là, même quand matin, midi, soir. Il écrit, j'ai écrit, on s'écrit chaque semaine. Non, tout ça, il est parce que ça a été le bon. Donc voilà, vraiment, excusez-moi. Vous pensez que les amis ont tout été. Vous pensez que les amis ont tout été. Et je pense que même dans l'album, on va voir Rabino Pio, dans la dignité de l'album Rabino Nios. Ils ont tellement passé pour voir Rabino. Pour l'album, on se retrouve dans l'album. La musique, même si on a beaucoup de foutre à rater, ils ont calculé les âmes à part, là, on a bandé. Donc vraiment, voilà. Et je pense que pour le Missa, c'est déjà une famille. J'ai besoin de vous. Je ne voudrais pas dire que vous avez aussi besoin de moi. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre accompagnement. Ce qui est vraiment blessant va tout. Peut-être on ne s'est pas compris. L'année a expliqué là un mot, peut-être on a fait des actions, on a expliqué les conditions. Peut-être que ce soit plus agent ou ce soit même chose. Pour lui, ça doit avancer quand même. Merci. Maintenant, c'est Williamson, JB. Si aujourd'hui on leur prend des mêmes contrats pour les actualiser aujourd'hui avec Amitié, probablement que l'artiste ne sera pas d'accord avec elle. Parce que si c'est passé, bon, quand c'est que c'est passé, c'est vrai que nous mettons nos produits de l'avant, mais aussi il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est aussi l'artiste que nous devons mettre de l'avant. D'accord. J'ai aimé cet artiste a dit, il a cité les quatre districts. Autrefois, on peut dire, tel artiste va jouer à tel endroit. Mais est-ce que ça a parvenu à atteindre le cœur des consommateurs, d'abord, parce que nous, c'est des consommateurs, et également atteindre le cœur des fans de l'artiste. Parce que ce sont les deux qualités des personnes que nous devons attaquer. Comme je le dis à chaque époque, à chaque artiste, la stratégie que nous attaquons cette fois-ci avec les nouveaux artistes de 5e génération, vous allez constater, elle est totalement différente. Nous étions... il y a quelques semaines en arrière au Rotana avec un autre artiste, également pour une soirée de gala. Cette fois-ci, ça sera avec Héritier. Et chaque artiste, il y a un planning bien planifié, bien établi pour les accompagner. Et je pense qu'on va parler probablement de contrat, oui. Mais parlons d'avoir accompagnement aujourd'hui, parce que c'est plus cool de ça qu'il y a été les contrats, je pense. Merci. Et pour... Nous passons à Vincent Chess. Album, nous avons été traités. Sur Mabilou et Kister, c'est le deuxième. Chant, les artistes, là, c'est Ben, c'est le troisième. Et moi, la montre à la retour, c'est le quatrième. Donc voilà, heureusement que j'ai pu écrire. Album, nous avons été présentés, je ne sais pas. Parce que là, la retour au Manava, je peux te... et affirmé au bout de temps la chiffre la balbon n'y a pas mal à la mise à la vie Manu n'a déjà la chiffre la tempête la bombe la tanque album d'Anga après on a un problème album d'Anga des autres tatés par rapport à quoi ou par rapport à qui parce qu'il faut qu'on se le dise on doit rester vrai avant que je sorte mon album il y a des accords sur le terrain. Mais vous oubliez que ces albums-là ont peut-être deux ans et demi de promotion, une année et demie de promotion. Donc, sans aucun part, nous avons la facilité pour y aller, voilà, que nous avons hérité. Pendant que les gens comparent déjà nous avons, par exemple, la hérité. Mais, on a dit, mon album n'a pas besoin de deux mois, quelques jours. Donc, il faut, et comme on a trois mois, quatre mois, cinq mois, quand on a dit, bon, pour qu'il y ait un peu de bête, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a et même pour pire, la belle est baguisée au canon. Et bien, si même pas désolé, moi, après M. Epiado, c'est mieux que normal quand vous avez un seul produit. Et quand la bâtonne, pour que M. soit appelé après, donc autrement, c'est la mort de 8 produits, il faut être pas le problème. Mais je vois sur les challenges,
bah non, il y a la vidéo, on a atteint en l'homme, c'est en première. Donc ça veut dire que pour nous, ça marche. Et après, on peut aussi convaincre tout le monde, même Dieu qui est notre créateur, ne veut pas l'unanimité. Donc si je parle sur ma nouvelle qui est question, je l'ai toujours. Ma nouvelle question, c'est le roi de la forêt qui m'a poussé à y travailler. Donc la continue à venir voir la forêt poussée. C'est comme moi avant, les hommes, je n'étais pas fan de Wilson. Mais en restant avec Wilson, j'ai découvert ses qualités, mais elle a un coup idéal. Vous comprenez que Je vais prendre Fifi Siwa et puis Gisèle Fouy. Sur le 22 artistes, hormis les membres, sur le 22
musicien la production d'album. Alors c'est pas la voiture et ça l'a accident. Donc fracturé, blessé, bien sûr, en commun. Donc il déstabilisé monsieur pendant plus de 4 mois. Ok, bah toi, il faut pas jouer soin. D'ailleurs, on a tiré pendant 3 mois, on a le temps pour prendre sa maman. C'était compliqué. Il y a un monde là, on est toujours là. Les restes, ils sont connus dans la bouche. Tout le monde est bon. Tout le monde est famille, on est riche, on est dans la maison, on est dans la maison, on est dans la maison, on est dans la maison. Donc, la difficulté, on ne peut pas tourner négatif, on ne peut pas s'en plaindre quand même. C'est la réalité de la vie. Même les riches, ils ont aussi leurs problèmes, il y a aussi le problème des riches. Par exemple, on va prendre un problème. Donc voilà. Et pour le comportement, on a Delta. Si, on a un tas de soukars. Il y a un film à moi. Il y a un film à réagir, ça va dire. Et là, on y a eu, on a un nouveau salaire. 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 On voyage encore. Qu'est-ce qu'on a mis voyage encore? Peut-être que pas beau ça, pas mal alors peut-être que ça a été et que l'ambassade de maison Schengen a mis 8 visas et qu'il est bouclé. Plus de 15 visas. Donc ça veut dire que, tout soit que la zone, ça peut être n'importe où. Mais on a encouragé par tout cœur, pour qu'on ait plein de sympathie, même dans le gros zone. Même si les autres ont peut-être bien fait plus mieux que nous, ils ont fait mieux que nous. Ils ont peut-être arrivé à, ils ont pu arriver à jouer. Il y a un qui est là. C'est que le courage de la famille. Moi, j'ai parlé avec Pierre avant toute la mission. Même si il y a la tentation au diable. Le diable a eu la faiblesse. Alors, il y a un coup dans la terre pour que la cible touche. Au moins, on a jamais la porte à plainte sans parquet. Zéro plainte. Mais, tout le monde doit être, tout le monde sait que l'eau a la facilité comme ça. J'ai des relations, il y a des liens à ce moment. Quand tu es belé, tu as fini. Tu as autant de l'eau pour commenter pour te polémiquer. Ils ont l'artiste de l'eau, la commissaire, la candidature, la mona parking, la mise en main. Quand tu es belé, tu as 5, 10, la première. Mais après, est-ce que c'est important? Ce qui est plus important, c'est que je chante, que je danse et que nous devons promouvoir. Oui, bah, le reste, c'est pas important. Joseph, oui. Bonjour. Ça, je ne pas la maman. Voilà. Bango, bazar, la mienne, on va la vendre à l'artiste la maman. Je pense que ceux qui nous ont dit, nous avons dit, nous avons français, nous avons dit, nous avons dit, il y a la définition exacte. Parce que nous, on va le bazar, les amis, pas forcément, et vous, tu n'as pas la maman. Si tu n'es pas casé, tu vas venir dire ça. Oh, la maman, c'est la famille, la cible, la maman, tout le monde déjà. Donc voilà. Et ça, on passe la matinée. Là, la musique album, où il y a l'artiste, où la musique est avant. Ma bino, la public, pas mon accueil, le tir, le tennis album. Il y a bien, il y a qualité ici. Madame Gisèle, bonjour. Il faut comprendre, quand je sors mon album, ou quand je prépare mon album, papa chéri, venez de sortir aussi son album, avant que moi je sorte son album. Tu ramènes pas papa chez nous dans un album pendant que lui il est en plein promo de son album. Alors, en plus, je l'ai sorti, je ne me trompe pas, 3 albums, je me trompe, 3 séries. Donc, du coup, il était plus focus sur son album. Pour le roi de la forêt, quand on a connu ça, le roi de la forêt est déjà dans la studio. Le roi de la forêt est dans la studio. Azo Sala, Morote. Donc, Morote, on a compliqué, moi, je suis venu à l'ouest, à ma main, 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 est-ce que vous aurez les moyens, est-ce que vous aurez la disponibilité, à ma main, c'est compliqué. Après, pour l'album Yoga, merci, tu donnes une idée. Pardon? Tu donnes une idée. Ah bon, là, papa chéri, non, le roi de la forêt. Ouais, bah, je pense que donc, je sais que ça ne sera pas facile, mais avec la promesse, tout est possible. Voilà. Et pour mon album futur, mon album vert, c'est pas un milieu que je maîtrise pas trop bien, mais j'ai déjà des connexions, j'ai des amis.
j'ai, je connais plein d'artistes. Même celui d'un expose à mon dire. On va, il y a ça. Autant avec Naïmbana Samari, Naïmbana Gali, Naïmbana tout jeune, Naïmbana Batouk. On va poser Naïmbana immense. Donc on va ne rien s'empêcher que Naïmbana un artiste au Mongo. On a des talents. Donc voilà, il suffit qu'à Kandé, espace et ça. Sauf l'espace et ça, je peux chanter avec tout le monde. Mais celui qui espace et spécialité, je ne peux pas forcer les choses. Donc voilà, dans mes calculs et les analyses, nul ne sait de quoi demain sera-t-il fait. Donc totalement voilà, tout qui est négatif. De quel talent? Merci. Au fait, moi, ma question, c'est venu par rapport à votre réponse à... Ça ne s'arrête pas. Bon, ici, comme chrétien, moi aussi, j'avais mis l'ordre pour attirer une musique profane pour aller faire de la musique chrétienne qui n'est pas du tout mauvaise. Tant que vous venez, la manière de la télé, la kina, la taille, la taille, la taille, la taille, la chaîne internationale, pour tant que la kina, la chaîne internationale, c'est la télé, la télé, trop, non. Ma kambo, moi, dans ma genre. Voilà. Ma kambo, y'a Koyemba. Koyemba, tout beau, t'as marané. Tout beau, t'as marané la voix. Mais Koyemba, tout beau, t'as marané la voix, pardon. Tout beau, t'as marané la voix. Koyemba, tout y'a qu'on a. Il y a un moment où on a vu Kester, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, on a vu que mon papa l'a mis. Donc, on a vu que je suis un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. C'était pas facile, le début était très compliqué. Il fallait tout ça. Pourquoi tout ça? De l'autre, tout le monde. Le chanteur est venu dans le cas, c'est capable de faire ça. Les gens qui ont été mis dans un mouvement, comme la nature a un succès, comme la future a un succès, tout le monde. Oublions que la rumba est un peu moins. Il y aura peut-être ceux-là qui viendront après, qui feront mieux que nous. Mais la forme pour nous. Parce que la forme pour nous, c'est une rumba congolaise, il y a un mot qui est. Donc, il y a une forme et une qualité parce que. Pas trop douter la mon âme n'a départ. Et donc, à bien, les arabes, même toi, ça va vélo. Quand ma panne boule à vélo, ton toi, ça qui boule à vie, ma belle, j'ai dit, bon, mais je vais décoller et qu'elle me dit, bah, tu commences à avoir des agents. Voilà. J'ai préféré peut-être être, je préférerais peut-être, là, ça va traiter des génies. Après, Nicole Bélé, pas vous dit, madame, t'es sérieux. J'essaie d'être victime. Ben, il va nous comprendre que autre salaire, même un grand boulot seul des connaisseurs, pas au courant. Merci. Nous donnons la parole à Franck Stemaï, qui sera suivi de Mike Lokamba, Tonton Ben et Bruit Demeur. Mike Lokamba. Non, d'abord, Lenny, il y a une question pour toi. Donc, du coup, l'œuvre est. Ça revient à la maison et à la famille, on a dit bah, la famille bien. Donc du coup on a négocié avec la famille avant même que ça sorte. Au moment de la vidéo, la réponse, après on a la réponse, la maman, la maman, tout ça. Donc jusqu'à là on n'a pas un problème, on a tout ça à associer à YouTube. Sauf que là qui maintenant élargi, la plateforme est née en son année, c'est soucié de notre juste. Et comme ils avaient YouTube, tout le monde est normal, il va comprendre qu'ils avaient soutenu la famille. Alors, demeure. Après demeure, nous prenons la dame de la RTNC, et puis ça sera Lara Bellor, Trésor Machicha. Je vais commencer par notre sœur, dommage qu'elle ne s'était pas présentée. Non, la, celle qui a posé la question. Doudou. Juju. Juju. Quand elle est même que mon vieux Juju, moi, on m'appelait Igor. Si je me dis que je suis un artiste accompli, je ne suis pas trop bien quand je parle de moi. Je ne suis pas trop à l'aise quand je m'expose. Quand je parle de métier, je ne suis pas trop à l'aise.
Mais oui, connais-toi toi-même, ça ne veut pas dire que les arbres, les arbres, les arbres. Alors, Aïe, pourquoi alors on va connaître toi-même? C'est plus profond que peut-être l'émotion de l'amour. Mais pour mieux dire, moi je pense que c'est aux fans de me décrire. Parce que moi je travaille pour eux. Bon, on m'a aimé que, au hasard, un bon artiste ou pas, as un bon chanteur ou pas. Souvent, on m'a pour le bac, on a yébi, sali, on a yébi, et vous allez compliquer. Donc voilà, on a vous allez pour un athée. Et sur une échelle, sur un échelle de combien, mon échelle est à combien, voilà, voilà. Il y a mon niveau, tout ça, et l'album aussi. Le mien, je ne sais pas, le mien, c'est déjà l'album, c'est un travail que je fais. Je peux en parler. Par rapport à ce que je fais, mais avec le travail, il est bizarre. Toujours matin. Quand tu as qui le tirada, nuage des manches, chien des couloirs, toujours matin. Sur nous avons justifié par rapport à texte. L'écriture, les âmes chez nous. Après, pas si elles avaient ramené au milieu. Tout ça, la conférence de presse, pas tous, elle aussi, elle a hérité. Et bien, au sous là, et le coup, tu es au bout de la tête. Donc, peut-être retomber la question à nous. Parce que nous, tous les hommes, on retournera la question, quel bon on a profondément. D'accord, il y a un côté, on retournera la question de l'autre. Parce que si je viens plus parler de mon album que de moi, mais pour un album, ils ont fléchi le matin. Par rapport à l'écriture, par rapport à la mélodie, par rapport à la calculation. Mélo, Batouban, Dimaco, on peut dire que c'est la victoire, ou la King Christophe. Ça veut dire que. Mais il y a un tremplin, mon niveau est King Kester. Parce que si on a besoin de King Kester, ça veut dire que j'ai le niveau de faire comme King Kester. Même si je n'ai pas le même talent que lui, j'ai le niveau de faire comme lui. Donc déjà pour moi, déjà, on m'attarde. C'est très ascendant. Très ascendant. Donc voilà, dans ce sens-là. Et mais qui parle là? Nicolas Mala. Tu as parlé des trophées. Mais quand moi je travaille pas pour les récompenses. Je travaille pour les gens qui sont là. Si ça ne vient pas, je ne vais pas forcer la main, je ne vais pas forcer que ma trophée en main, je vais côté. Si elle va la vie, elle a été le roi va tout se passer là, petit tour côté mon boué, on va pirer, ça va péler au monde, vite fait, bah il y a un peu boué, papi m'a dit pourquoi on passe sur la côté, bah il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Voilà. Si papi m'a dit qu'il n'y a pas moi, il y a un mot, 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 très compliqué. Et dès lors, si c'est un travail, donc la différence entre Mioche Bidemont et Chien de la Gloire. Mioche Bidemont, ils ont appelé la tête, voilà, ma chère, fouta, nous me voyons. Ils ont dit Rumba. Mais ils ont Rumba, mais tu contactes qui n'a pas de la mort. Système avec cœur, auto salaire, n'a pas de salaire, ils ont tout de la mort. Je ne dirais pas que Mioche Bidemont, ils ont la vie. Pour qualité dans la société. Les gens qui ont perdu dans toi, ils ont pensé pour nous. Mais les autres, ils ont pensé pour nous. Quand tu même pensé pour la famille, on a chemin de la gloire, les autres, on a un petit peu de temps, on a pensé autre chose. Donc, parce que tout ça, il faut s'inspirer, c'est plus toujours l'inspiration au cours. Donc voilà. Donc pour la main, chemin de la gloire, on a cru qu'on a les guillemets en chemin des mots, parce que on a ça, on a mis en chemin des mots, on a pas que ça, on a les bonnes à la chemin de la gloire. Donc voilà. Et Yaman de Gourama Bachicha, à tout niveau, quand je parle de l'intelligence, dans ce que je fais, il exprime une erreur pour ça que c'est intelligent ou c'est pas intelligent. Pendant que tu m'as dit que tu as dit que tu as dit mais est-ce que tu dis que la Kinshasa, ils ont passé pour convaincre les gens au moment où ils ont la possibilité de que les gens nous observent. Facilement, surtout quand on est au côté, tu ne peux pas aller, et si, facilement, parce que la bêtise, il soit qu'à un peu rapidement. Mais ce moment, il a très réfléchi.
est accroché, parce que nous avons un chef à comprendre, par exemple, quand j'ai dit, mais sa mère a des salons sur mon bras à la cater. Mais toi, ta mère, tu as comprendre, je me questionne, moi, toi, décide-moi, toi, décide combien sur 20. Seul, toi, vous décidez, on peut se mettre sur un exemple, il y a un salon, tout droit, parfait. Et tout ça, parfait à comportement, il y a la nature, il y a tout ça. Pour développer, j'ai vu des chanteurs chanter ma rambo, éditer plusieurs fois pour défendre mon vie. Ma question sur les textes pour les enfants, je serais le défendre. Parce que dans ce que je fais, la plupart de moi, l'ayant sa intelligence et ça. Et pourquoi pas s'agir sur ça, sa connaissance de rambo. Et pour finir, Tony Kokoukoutouana. Je ne peux pas dire que je vais bien à 100%, mais non, je suis bien. Voilà, je suis très bien. La semaine passée, j'ai passé toute la semaine dans un hôpital. Dans la souffrance de la sinusite, c'était un mois où j'étais là-bas. Donc, mais pour le moment, ça va. La zone à 100%, santé, ça va. L'hôpital, j'ai tout et le normalement, on dit, mais je suis capable, je suis apte. Nous avons été dans la maison d'autorisation à médecin pour nous avoir la vie. Merci. Ah, mais c'est pas un bon parleur. C'est un bon travail. C'est un bon travail. Voilà, moi je voulais dire merci à vous, la presse. Je ne sais pas si la presse. La pire, moi, j'ai un talent comme l'autre. Mais je pense que dans ce papier, et je suis plutôt au soldat en privé, dit comme ça au soldat privé, trouvé dans le tour de la. Parce qu'il y a, dans ton Instagram, il fallait pas ça. Je pensais que WhatsApp est mieux. Mais quand j'ai vu, j'ai gagné, on vient très présenté, j'ai gagné. Bien, comme ça va. Je vous dis merci vraiment de tout cœur. Et je pense que, après, au lieu, pour travailler, si vous, on a battu un soldat, on a pas autre travail là-bas. On a conseillé tout ça là-bas. On a conseillé tout un conseil public. Et après, merci à la Bradima, merci à la Primus, merci au Poum, quant au tel, Kinshasa, pour le soutien. Et déjà, la semaine prochaine, je pense que mardi, on a un concert, c'est un concert privé, dans le ministère. Et après, on ira jeudi à Lubumbashi, où on fera, c'est pas une, deux productions. Donc, voilà. Et la semaine prochaine, je vais communiquer avec vous. Je vais vous envoyer le spot, la concert à Paris, la affiche. Donc voilà, pour la base à l'arrière, ben, moi non. Et que Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Pour le concert à samedi, les gars, donc voilà. Bonjour à tous d'ailleurs. Bonjour à tous d'ailleurs. Merci.